Dans cette vidéo, je vais trouver un produit gagnant, créer un site qui convertit, lancer une promotion et à la fin, te montrer mes résultats. J'ai essayé le dropshipping pendant plus de 48 heures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le dropshipping, c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas forcément. Et malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on te dit pas tout sur le dropshipping. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et d'être vraiment totalement transparent avec toi. Vraiment de te montrer les résultats que j'ai obtenus et surtout comment j'ai réussi à mettre tout ça en place en vraiment si peu de temps. Et si tu souhaites encore en avoir plus, n'hésite pas déjà à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer vraiment la cloche de notification, comme ça tu louperas aucune de mes nouvelles vidéos qui sont pleines de valeur. Et donc voici la journée d'aujourd'hui sur une de mes dernières boutiques. Maintenant on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va chercher un produit gagnant qui résout un problème. Et comme on peut l'écouter dans la musique de Sadek, pour que ma fille n'ait jamais à faire de la pub pour Bébrillance. Il ne veut pas que sa fille fasse de la pub pour Bébrillance. Bébrillance, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui vend simplement des produits dentaires pour permettre d'améliorer la qualité des dents et les rendre plus blanches, plus fraîches. C'est une marque qui existe depuis environ 2 à 4 ans en arrière et c'est une marque qui a déjà fait ses preuves et qui a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires ces dernières années sur le marché francophone. Plaisanterie finie, je connaissais déjà la marque avant que Sadek sorte une musique par rapport à tout ça parce que je suivais en fait déjà plusieurs grands influenceurs Instagram français qui faisait tout simplement des promotions de cette marque et donc je savais que leur produit était tout simplement rentable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit pour les dents, c'est un produit qui résout un problème parce qu'il y a des personnes qui sont complexées d'avoir les dents de couleur jaune parce qu'ils fument des cigarettes, parce qu'ils boivent du café, etc. Et c'est un produit vraiment qui résout un problème fort et donc qui peut vraiment bien se vendre. Donc j'ai tout simplement ouvert mon AliExpress et je suis allé chercher différents produits par rapport au blanchissement de dents. Je voulais pas forcément utiliser les mêmes produits qu'eux, donc que ça soit le charbon ou alors l'appareil qu'on met directement dans les dents. Et puis j'ai trouvé, comme tu peux le voir, un magnifique stylo dentaire qui coûte 4,34€ avec la livraison inclus. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment bien de bosser avec ce produit-là parce que je l'ai vu un petit peu nulle part ailleurs en drop. On peut voir que le produit a plus de 6200 commandes et plus de 100 reviews avec vraiment une assez bonne note. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de bosser avec ce produit-là. Après avoir trouvé mon produit gagnant, j'ai tout simplement commencer à créer mon site internet. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour créer un site internet? J'utilise tout simplement Shopify. Shopify, c'est une plateforme qui coûte 30€ par mois où en fait, tu vas pouvoir créer un site internet et c'est vraiment super simple à mettre en place. Même si tu n'as pas de compétences en informatique, tu peux l'utiliser. Donc, si tu es intéressé, sache juste qu'il y a un lien dans ma description où tu auras droit à 14 jours d'essai gratuit. Donc, par rapport à Shopify, j'ai utilisé le thème début et par rapport à la disposition des éléments dans le thème, j'ai commencé par une première image suivie de la fiche produit et suivie tout simplement des avis. Donc c'est vraiment un site en monoproduit qui est très simple à utiliser, à mettre en place et pour te dire, le site, je l'ai créé en moins de 2 heures. J'ai utilisé l'application Lux pour permettre d'importer des avis directement sur ma boutique et Oberlo pour passer en automatique toutes les commandes. Une fois que mon site a été fini, j'ai tout simplement traduit en espagnol car je voulais me lancer sur le marché espagnol car il y a beaucoup moins de concurrence avec les influenceurs sur Instagram et c'est beaucoup plus facile de se démarquer car les gens n'ont pas l'habitude d'acheter directement via des influenceurs sur Instagram. À partir du moment où j'ai eu fini de traduire le site, j'ai tout simplement fait une liste de 300 influenceurs de 10 000 à 100 000 abonnés et oui, je m'intéressais vraiment aux petits influenceurs pour vous montrer à quel point c'était rentable et facile de se lancer dans l'e-commerce avec vraiment quelques centaines d'euros. Après avoir fini de faire cette liste, je les ai contactés et j'ai classé vraiment toutes les données que j'ai reçues et je suis tombé vraiment sur une influenceuse qui s'est démarquée des autres, qui était au prix vraiment seulement de 50€, ce qui est rien du tout et qui avait plus de 700 swipe up sur du 10 000 vues story. Donc bien sûr, je ne dévoilerai pas le nom de l'influenceuse parce qu'on a signé un contrat ensemble. Et donc du coup, j'ai pas perdu de temps. Je vais tout simplement envoyer le produit et envoyer bien sûr l'argent. Et je lui ai envoyé aussi le script pour qu'elle puisse faire correctement chacune des 6 vidéos que je lui ai imposées. Donc l'influenceuse a bien reçu son produit, elle a bien reçu le script, elle a préparé les vidéos à l'avance et elle me les a envoyées directement par email. Tout s'est passé correctement. L'influenceuse a fait la promotion tout simplement hier. Elle a réalisé donc plus de 473€ donc de chiffre d'affaires vraiment en 24 heures, ce qui est égal à un total de 17 commandes. Et par rapport aux dépenses, à la rentabilité que j'ai pu avoir, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà posté 6 stories avec l'influenceuse, donc vraiment 3 vidéos à 13 heures, 2 à 20 heures et une de lendemain, donc de retargeting à 13 heures. Par rapport aux dépenses, il y a déjà donc 29€ pour l'abonnement Shopify. Avec l'application Lux qui est aussi donc à 10€ par mois. Un nom de domaine aussi en plus à 8€. Les prix du produit donc correspondent à 73,78€. Le prix de l'influenceuse qui est totalement minable est de 50€. Je vais mentionner aussi les frais Stripe et Shopify, etc. qui est aux alentours environ
de 12 euros. Et si on fait le calcul de tout ça, ça revient donc à 182,78 euros dépensés pour un bénéfice total de 290,22 euros, donc vraiment net avant tous les impôts. Voilà, il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, j'ai généré plus de 290 euros de bénéfices en moins de 24 heures juste avec une seule influenceuse Instagram que j'ai payé seulement 50 euros. Donc, c'est vraiment presque le quart d'un SMIC. Et si tu hésites encore à te lancer en dropshipping, je viens de te prouver vraiment le contraire, qu'aujourd'hui, c'est possible et c'est réalisable. Comme tu peux le voir, c'est quand ça demande quand même du travail, de l'acharnement, etc. Mais si aujourd'hui tu souhaites changer ta vie, si aujourd'hui tu souhaites passer à un niveau supérieur, que tu veux arrêter de faire comme la masse, comme tout le monde, et de faire du métro, boulot dodo, et que tu souhaites te lancer, tu as très bien vu, avec moins de 200 euros, tu peux te lancer dans le dropshipping aujourd'hui en 2020, générer du bénéfice, du chiffre d'affaires. Et sache juste que tu peux littéralement changer ta vie en l'espace de quelques mois, voire une ou plusieurs années, avec un simple business en ligne. Et je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste incroyable. Aujourd'hui, j'ai seulement 19 ans. J'ai voyagé dans toute l'Asie du Sud-Est pendant plus de 1 an. Et aujourd'hui, je suis actuellement en Thaïlande. Je suis au bord d'une piscine, il fait 40 degrés. Et je vis ma meilleure vie pendant le confinement. Alors que voilà, il y a des personnes qui malheureusement sont bloquées chez elles, etc. Ne peuvent pas sortir. Et j'aimerais vraiment profiter de ce moment pour te dire vraiment que pendant le confinement, si tu regardes cette vidéo et que tu es bien sûr encore dans le confinement, je te conseille vraiment de te former, de passer à l'action et de te lancer. Parce que c'est comme ça que tu pourras vraiment réussir et sortir de ta zone de confort et générer un maximum de résultats. Donc écoute, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour rien louper pour ces prochaines vidéos de full valeur. Et puis bon, on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.